Maintenant, sous titre induction électromagnétique, on va faire une série d'exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice numéro 1? Tout d'abord, ce dispositif se trouve dans le plan horizontal. Notre dispositif est formé de deux rails conducteurs OA et OA' et une tige conductrice CD. L'angle entre OA et OA' c'est 2α. OX est la bisectrice de l'angle AOA'. La tige CD se déplace tout en restant en contact avec les rails conducteurs en C et D avec la vitesse V. CD est toujours perpendiculaire à la bisectrice OX. Notre dispositif est plongé dans un champ magnétique B uniforme et constant. Ce champ pointe vers nos yeux. Ça, c'est B. À la date T égale à 0, la tige CD se trouve en haut. À une date ultérieure, la tige se trouve à une distance X de haut. X n'est autre que l'abscisse du point M sur l'axe OX. Maintenant, V est la vitesse de translation de la tige, B est l'intensité du champ magnétique qui s'exerce sur notre dispositif. Ρ est la résistance linéaire des rails et de la tige CD, c'est-à-dire c'est la résistance par mètre de longueur du circuit. Tout le monde d'accord? C'est la résistance par mètre de longueur du circuit. Maintenant, on demande de trouver la force électromotrice induite dans ce circuit, dans ce dispositif, et l'intensité du courant induit dans le même dispositif, mais en fonction de B, V, la date T, la résistance linéaire et la valeur de l'angle alpha. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va déterminer quoi? La force électromotrice induite. La force électromotrice induite, d'après la loi de Faraday, c'est E égale moins dérivé de flux par rapport au temps. Le flux magnétique par rapport au temps. Donc, pour déterminer la force électromotrice induite, je veux utiliser la loi de Faraday, mais j'ai besoin du flux. À quoi t'égale le flux à travers ce circuit? On sait que le flux magnétique n'est autre que B fois la surface fois cosinus de l'angle entre B et le vecteur normal à la surface. Ça, c'est B. Notre surface, c'est la surface du circuit, c'est la surface du triangle OCD. S, c'est la surface ou l'air du triangle quoi, OCD. Quelle est la surface d'un triangle? C'est la hauteur fois base sur 2. Il est évident que OM est une hauteur dans ce triangle. Donc, la hauteur qui est OM fois la base c'est CD fois CD divisé par quoi? Par 2. Mais OM n'est autre que X. CD, comment je peux déterminer CD? CD. Remarquons, notre triangle est un triangle isocèle. Je peux déterminer en utilisant l'angle alpha le côté CD. Mais comment? Si je considère le triangle OCM, le triangle OCM, c'est un triangle rectangle. Ça, c'est alpha. Je veux déterminer E en fonction de alpha aussi. Alpha. Ça, c'est alpha. Ça, c'est X. Ça, c'est CM.
tangente alpha à quoi t'égale? C'est m divisé par om. Donc c'est om fois tangente alpha. Tangente alpha opposée sur adjacent au m, c'est x tangente alpha. C'est m, c'est x tangente alpha. Donc cd, c'est quoi? C'est 2, c'est m, car au x en même temps la médiatrice de cd. Donc ça, c'est 2x tangente alpha. On remarque combien? CD, c'est 2x tangente alpha. Et tout ça divisé par 2. Et par suite, ça, c'est x au carré tangente alpha. Mais c'est quoi x? C'est quoi x? C'est quoi x? Remarque combien le point M est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, quelle est l'abscisse d'un tel point? C'est x égale vt plus x0. C'est quoi x0? X0, c'est l'abscisse du point M à t égale à 0 qui est égal à 0. Donc, je peux éliminer ça et par suite x égale vt. Donc, en remplaçant x par vt, j'obtiens ici vt au carré tangente alpha. Donc, j'ai déterminé la surface. Ça, c'est V carré, T carré, tangente alpha. Ça, c'est la surface de notre circuit. Il en reste quoi? L'angle entre B et N. Remarquons, on demande de trouver la force électromotrice en fonction B, V, T, rho, qui est la résistance linéaire, et alpha. E, c'est la dérivée du flux. Le flux doit être en fonction de ça. Jusqu'à maintenant, le flux est en fonction de B, V, T et alpha. L'angle entre B et N, où est la normale à ce circuit? Remarquons bien, le circuit est orienté positivement dans ce sens. En complétant ce sens positif, le sens positif circule comme ça, comme ça, comme ça. Il circule dans le circuit dans ce sens, descend pour compléter sa circulation comme ça. La normale est basée sur le sens positif. La règle de la main droite détermine la normale par le pouce. Le pouce indique le sens de la normale. Les sens positifs, les quatre doigts dirigés dans le sens positif, comme ça. Le pouce est comme ça. Le pouce indique que la normale est X. Dirigé vers le tableau. Et par suite, quel est l'angle entre B et la normale? Cet angle, c'est 180 degrés. Pourquoi? Car B et la normale sont opposés. Et par suite, à quoi t'égale le flux? Le flux, maintenant, le flux magnétique à travers le circuit, B, c'est B. S, c'est V carré, T carré, tangente alpha, quel est le cosinus de 180 fois moins 1 et par suite le flux, c'est moins b v carré t carré tangente alpha. Ça, c'est le flux magnétique. E n'est autre que l'opposé de la dérivée du flux. B constante, V constante, alpha constante, il suffit de faire la dérivée de T au carré par rapport au temps. Quelle est la dérivée de T au carré par rapport au temps? C'est 2T. Donc, on obtient E égale, moins ici et moins là, c'est plus B carré, V carré, la dérivée de T au carré, c'est 2T fois quoi? Tangente alpha et par suite E égale B carré, V carré, pardon, 2B carré, V carré, T fois tangente alpha. Ça, c'est l'expression de la force électromotrice induite en fonction B, V, T et alpha. Il n'est pas nécessaire de faire entrer rho ici. OK.
Ça, c'est l'expression de la force électromotrice induite. Maintenant, comment on peut calculer le courant induit ou trouver l'expression du courant induit puisque notre circuit est résistif, c'est-à-dire il est équivalent seulement à un conducteur ohmique, donc I égale E sur R. R est la résistance du circuit. R, c'est la résistance du circuit. Résistance du circuit. Comment je peux calculer la résistance? GE, la résistance. Comment? La résistance. G, rho, c'est la résistance linéaire. La résistance par mètre de longueur. La résistance par mètre de longueur. Donc, c'est-à-dire rho, la résistance du circuit divisée par la longueur du circuit. Ohm par mètre, résistance linéaire. Donc, R égale rho fois L. Rho fois L. L, c'est la longueur du circuit. Ça, c'est le périmètre du circuit. Périmètre du circuit. Notre circuit est un triangle. C'est le périmètre de ce triangle. L, c'est le périmètre de ce triangle. Quel est le périmètre d'un triangle? C'est la somme de ses côtés. C'est OA plus OA, pardon, c'est OC plus OD plus quoi? Plus DC. C'est OC plus OD plus DC. J'ai DC de X tangente alpha. J'ai besoin de OD. OD et OC, mais OD égale OC. OD égale OC. Comment je peux déterminer OD ou OC? Dans le même triangle OCM, remarquons bien, je veux trouver OC en fonction de X qui est OM. OM, c'est le côté adjacent, OC, c'est l'hypoténuse. Je peux dire que cosinus alpha égale quoi? OM sur OC. Et par suite, OC égale OM sur cosinus alpha. Donc, OC, OM sur cosinus alpha, c'est X sur cosinus alpha. Ici, on a X sur cosinus alpha. Ici, on a X sur cosinus alpha plus DC. DC, c'est 2X tangente alpha. 2X tangente alpha. Et par suite, X cosinus plus X cosinus, et X sur cosinus plus X sur cosinus, 2X sur cosinus alpha plus 2X tangente alpha. Et enfin, on peut dire que ça, c'est 2x, 1 sur cosinus alpha, plus tangente, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. On obtient quoi? 2x facteur 1 plus sinus alpha, divisé par quoi? Par cosinus alpha. Ça, c'est la longueur. D'autre part, x égale vt, donc finalement, L égale 2vt, 1 plus sinus alpha sur cosinus quoi alpha. On a déterminé L. Ça, c'est L, rho. Donc, je peux déterminer R en fonction de rho, vt et alpha. Maintenant, R devient rho, 2 rho vt, 1 plus sinus alpha sur cosinus alpha. Et enfin, I égale E sur rho, I égale E sur rho. E, c'est quoi? C'est 2 b carré v carré t fois tangente alpha divisé par R2 rho vt 1 plus sinus alpha sur cosinus alpha.
je peux simplifier par 2, je peux simplifier par V, je peux simplifier par T. Sinus alpha, tangente alpha, pardon, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Ici, dans le dénominateur, on a cosinus alpha. Ici, dans le dénominateur, on a cosinus alpha. Je peux éliminer ça et ça. Et par suite, à la place de tangente alpha, on obtient sinus alpha. Enfin, I égale quoi? I égale B carré V sinus alpha sur rho facteur 1 plus sinus alpha. Ça, c'est l'expression de l'intensité du courant induit qui circule dans le circuit. Remarquons bien, alpha est un angle aigu, sinus alpha positif, V positif, B positif, donc I est positif. Et par suite, le sens du courant électrique est dirigé dans le sens positif, alors I est dirigé dans ce sens, dans le circuit. Ça, c'est I, dans le sens positif. Tout le monde d'accord? Et ça, c'est son expression. Ça, c'est l'expression de la force électromotrice induite.